Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui ne connaissent rien de la vie de l'autre monde. C'est bien de faire des études. C'est bien d'avoir un certain niveau intellectuel qui va te faciliter un bon travail. Mais pourquoi Allah nous a-t-il créé sur terre, subhanahu wa ta'ala? لماذا خلقنا رب العالمين في هذه الحياة الدنيا؟ وهذا سؤال وجب على كل واحد منا أن يعلم جوابه. C'est une question que chacun d'entre nous doit avoir une réponse. يقول الحق سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووجب علينا أن نتدبر هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Dans ce verset, dans ce passage, il nous parle, il nous dit que pour m'adorer. قال العلماء أو فسرها العلماء بماذا ليعرفون كي يوحدون ويعبدون. L'explication de ce verset, c'est que Allah nous dit je n'ai créé les djinns et les hommes que pour adorer. L'adoration dans ce verset, ça veut dire quoi? Pour me connaître, attester de mon unicité, Allah subhanahu wa ta'ala, afin de m'adorer. Au jour d'aujourd'hui, malheureusement, en commençant par l'attestation de foi, il a wafaqna ma'a. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا نفقه منها شيئا. إذا سألت أحدا اليوم ما معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هي عنوان إيمانك يا عبد الله وإسلامك ما هي؟ الله أعلم. يقول الجمع العظمى كيف يسمين بكس وسابقين كيس أصول. Et à travers l'attestation de foi, tu deviens musulman. Et si tu n'attestes pas que Allah est unique, que Mohammed est son messager, tu n'es pas musulman, tu n'es plus musulman. Le serment de ce vendredi, il va être autour d'une chose qui est importante et que chacun d'entre nous doit chercher, c'est le paradis. Mais pour accéder au paradis, il y a plusieurs étapes. Commençons par l'attestation de foi. أشهد أن لا إله إلا الله وهي أن توحده سبحانه وتعالى وأن تعلم ما هي أركان التوحيد ما هي أنواع التوحيد وما هي شروط التوحيد. L'attestation de foi nécessite trois choses. La première, c'est les piliers de l'unicité d'Allah. La deuxième, c'est les catégories de l'unicité de Dieu. Et la troisième, c'est les conditions de l'unicité d'Allah. Pourquoi? Si tu ne connais pas ces piliers, c'est sûr que tu vas monter dans la souci. Et malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. On adore Allah subhanahu wa ta'ala juste à peu près. On adore Allah juste par des gestes. Chacun d'entre nous doit savoir que tous les messagers et les prophètes, leur seul message était l'unicité de Dieu. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala a deux piliers, qui est l'affirmation qu'Allah est unique et la négation n'est pas. Il n'y a pas de divinité par Allah. Les trois catégories de l'unicité. Tawhid al-uluhiyya. Tawhid al-rububiyya. Tawhid al-asma' wa sifat. La première catégorie de l'unicité, c'est l'unicité de la Seigneur. Et tawhid al-rububiyya. Elle a des piliers. Wa arkan tawhid al-rububiyya. وهي الخلق أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الكون. Le premier pilier de l'unicité de la Seigneurie, c'est que Allah c'est lui qui a créé l'univers. On est conscient. Le deuxième pilier, c'est Allah سبحانه وتعالى le roi de l'univers. كما قال ربنا جل وعلا تبارك الذي بيده الملك. La royauté appartient à Allah سبحانه وتعالى. Et juste après, le troisième pilier, c'est la tête, la gestion. C'est qui gère le monde? Je vais vous demander une chose. Revenez à l'aide aussi. Dans un verset, dans ce qui est subhanahu wa ta'ala.
لا تأخذه سنة ولا نوم، إلا بالله. C'est qui gère l'univers? C'est qui a créé l'univers? C'est qui le roi de l'univers? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Comment ça se fait qu'on n'a pas de valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? On ne valorise pas Allah subhanahu wa ta'ala, ça a juste de valeur. Et les conditions de l'unicité, la première c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vraiment tu aimes Allah, tu vas te hâter à faire ce qu'il t'a ordonné subhanahu wa ta'ala. Et tu vas limiter ce qu'on a interdit par le corps. La confiance en Dieu, c'est l'une des conditions de l'unicité. La certitude envers Allah, c'est l'une des conditions. Alors, on ne les connaît même pas. Automatiquement, qu'est-ce qu'on fait envers Allah? Quand la Rasulullah, il s'en va à l'Allah, et ce hadith rentre dans l'unicité d'Allah. Man qala, man kana akhiru kalamin, la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Celui qui sait bien les paroles sont là, il est là, c'est le roi de l'unicité, c'est ce que j'ai expliqué à l'instant, on doit les connaître, on fera pareil. D'ailleurs, la première question qu'on va nous poser quand on va être dans nos temps, c'est qui ton Dieu? Tu ne connais pas l'unicité, tu pourras pas répondre. Et d'ailleurs, pourquoi l'unicité de Dieu? Wallah, il y a encore un apaisement dans ton corps et dans ton cœur. Tu n'es pas stressé. Parce que tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui détient les clés de l'univers. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala te prend par quelque chose, tu es satisfait. C'est pas les gens qui t'ont fait ça. C'est Allah qui a décrété ça pour toi. Pourquoi? Comme a dit Rabbul Alamin, alladhi khalaqa al-maut wa al-hayata al-bala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Là, il était trop par rapport à ta santé. Il était trop par rapport à ton urgence. Il était trop par rapport à ta famille. Pourquoi? Allah, il est dans son lèvre en savant ce que tu es vraiment incroyable pour moi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa khayru khalqillah. Il a été prouvé quoi? Dans sa chair, sallallahu alayhi wa sallam. Dans sa famille. Alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il avait 7 enfants. Et on a perdu 6 dans sa vie. 6. Fatima radiallahu anhu wa arda, la dernière, elle est décédée après 3 mois que lui sallallahu alayhi wa sallam. Il était patient sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam subit beaucoup d'épreuves. Mais il était patient. Pourquoi? Parce qu'il savait que ces épreuves émanaient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Pour vérifier est-ce que vraiment l'éternel a pris grand mérite. Sinon, c'est pas même jour aujourd'hui. Malheureusement, des fois, on a des épreuves, qu'est-ce qu'on veut, on lâche tout. La confiance en Allah, elle te donne la force d'accepter ce qu'on a décrété pour toi. Et on voit une vie comme ça. Donc, la première porte du paradis, c'est là, il est là, Allah, comme j'ai dit tout à l'heure, on doit la connaître et la mettre en pratique dans la vie de tous les jours. Et là, il est là, c'est pas juste un tableau. Ça doit se voir sur ta pratique de tous les jours. Depuis que tu te réveilles jusqu'au soir, tu sais comment il te voit, tu lui désobéis, ya Abdallah. Tu sais comment il te voit, tu mens, ya Abdallah. Mais où il décide de l'envoi, c'est la tu crains les gens, tu crains pas, parce que c'est la au tarchot de l'Inlassa, Allah, on a un peu de tarchot. Et vous craignez les gens, alors que Allah, il est plus âgé à être craint, subhanahu wa ta'ala. Deuxième point qui va nous faciliter le parole. On doit les mettre en pratique. Quand la Rasulullah est sur moi, il est sur moi. Man qara ayat al-kursi ba'da kulli salat idha mat dakhala al-jannah. En fait, il nous dit à l'aïe salat et salam, c'est lui qui a ainsi que lorsqu'il est trop. Après, chaque prière obligatoire sur le revoir, c'est comme une heure de notre parole. Pourquoi? L'imam a dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à l'aïe de l'Ukhsi, il a dit à l'Ukhsi, tous les salats, il a dit à l'aïe de l'Ukhsi. Hada l'insan al-mu'min, hada l'insan al-muslim, al-muwahid, al-muhsin, y'a'lamu sirra l'aïe de l'Ukhsi.
ما هي أسرارها؟ أسرار آية الكرسي أن فيها توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. Dans ce verset qui est l'air possible, qui est un grand verset dans la tradition du Jérémie, le prophète nous dit que si jamais tu la récites le matin, tu vas te rendre au paradis. Si tu la récites le soir, tu vas te rendre au paradis. Le secret de ce verset, c'est que non seulement il y a le plus grand nom d'Allah, par exemple, dans ce verset, il y a l'unicité de la seigneurie, de la divinité, et des noms attribués à Allah dans ce verset. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, quand on récite les versets du Coran, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les méditer. On doit chercher les secrets des versets. Pourquoi? Pour pouvoir adorer Allah par rapport à ces versets. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui récitent être aussi 1000 fois, 2000 fois, ne connaissent même pas ce que ça veut dire. Pourquoi on a combiné la versée?